Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Kirby et le monde oublié. Nous sommes au niveau du village Waddle Dee. Alors la dernière fois on s'était laissé sur la map et du coup je suis revenu ici parce que j'ai changé de jeu entre temps et du coup au démarrage du jeu on arrive ici et j'ai pas pu enregistrer, c'est la cinématique sur le nouveau bâtiment qui est donc ici. A priori c'est un petit étang de pêche et de ce qu'on m'a dit on pouvait faire un mini-jeu de pêche, donc bah écoutez on va essayer, voilà la pêche éclair c'est ça. Alors, appuyez sur le bon bouton. Quand un poisson mort, l'icône d'un bouton s'affiche. Appuyez sur le bon bouton le plus vite possible. Ne le laissez pas s'échapper. Ok. Attrapez plusieurs poissons d'affilée et une belle prise mordra alors. Appuyez vite sur les boutons et tentez de battre le record. Ok. Eh ben, on va essayer. On va essayer. Ok. Ok, très bien. Ah, ça va, en fait, ils sont bien positionnés. Ah, mais d'accord, je pensais qu'il fallait appuyer plusieurs fois. Ok, 175 grammes. Ouais, ça, je pense pas que c'est ouf. Oh, par contre, on peut gagner des piécettes avec ça. Oh, cool. Cool. Ok. J'ai essayé de l'avoir. Oh, ah bah voilà, là, il faut appuyer deux fois. Ok. Ça doit être un plus gros poisson, du coup, je suppose. Ah oui, 465, nouveau record. Très bien. Ok, on va essayer de continuer. On va continuer un petit peu, là. On va tester ça. Ok. Ok. Ok, alors c'est bon. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, j'ai une canette. Oh, bah d'accord, super. Super. Est-ce que c'est parce que je me suis loupé? Ah, bah là, je me suis loupé, là, par contre. Ok. Ah, bah j'ai dû me louper tout à l'heure. Oh, j'ai eu un coquillage. Oh, c'est marrant, ça ressemblait vachement au coquillage d'Animal Crossing. Mais sauf qu'il était gris. Ok, attention, je suis prêt. Hop, en haut. Allez. Ok. Bon, petit poisson, là, 180 grammes. Ok. On est d'accord. Je vais réessayer. Je pense que je me suis loupé la troisième fois. Allez, il s'endort. Hop, très bien. Hop, en haut. Ok, parfait. Parfait. Là, on a un gros poisson. 530, nouveau record. Très bien. Magnifique. Par contre, on gagne une pièce à chaque fois. Hein. Même si le poisson il est plus gros, on gagne qu'une seule pièce. Ok. Ouais, il a fallu que j'appuie vite. Là, je m'y attendais pas. Par contre, ouais, j'ai cru voir que c'était un très gros truc, là. 1,6 kg. Ah, bah, incroyable. Ah, ok, on gagne une grosse pièce quand on a un gros poisson. Ok, bon, ça peut être cool, en vrai. Ça peut être plutôt cool. Hop, B. A. X. Ok. Oh, alors là, j'en ai fait 4, là. Donc, ça doit être un très, très gros. Oula. J'arrive à peine à le porter. Il fait 7 kilos, le truc. Incroyable. Ah, oh, mais du coup, là, on gagne pas mal de pièces. Ah, ça peut être un petit moyen de gagner des piécettes, en vrai, hein. Ça peut être un petit moyen de gagner les pièces. Ok. Ok. Ah, 4 encore. J'ai enchaîné 4. Très bien. Ouh, il est encore plus gros celui-là, non? Ouais, 7,9 kg. Ouh, on est presque sur du 8 kg là. Allez, on continue. On est sur une bonne lancée. Allez. Ok. Allez. Est-ce qu'on peut avoir que des poissons? Parce que j'ai cru à un moment que... Oh, 8 kilos, on a dépassé les 8 kilos. Magnifique. J'ai cru qu'à un moment, il disait on peut avoir des prises spéciales au bout d'un moment en enchaînant justement les grosses prises. Ok. Vas-y. Ok, là, on en a fait 5, là. Oh, ça zoom. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah oui, d'accord, là, il faut être ultra réactif à la fin. Fallait être ultra réactif. Oh non, j'aurais pu avoir un gros truc, là. Je suis déçu. Ok. Ah, bon là, on enchaîne 4. Très bien. Ok. 7,9 kg. Attendez, on a peut-être une chance, là. C'est juste que j'en ai perdu un, mais du coup, ça réinitialise pas toute la chaîne. Donc ça, c'est cool. Ok, B. A. Allez. Y. X. Ok, là c'est 4, très bien. Vas-y, on va continuer un petit peu là. Voilà, mais il est... C'est quoi ce poisson? Il est toujours plus gros. Le truc, il est plus gros que moi. Hein. C'est lui qui va me gober à la fin, hein, je pense. Hein. Allez. Bon, en attendant, je fais des petites piécettes. Écoutez, pourquoi pas. Ok, ouf, je m'attendais pas à l'enchaînement. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planté? J'ai eu un champignon?
Je me suis planté ou quoi? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas eu... Ah, là, je me suis planté. Là, ok, clairement, je me suis planté. Ah mince, un champignon. Allez, pêche. Bon, allez, on va réessayer, vite fait. Une petite série, là. On va réessayer une petite série. Ok. Ah, par contre, là, ouais, c'est que 3, en fait. Hein. Quand je me loupe plusieurs fois, en fait, on perd notre enchaînement, et du coup, on a des moins gros. Ok, très bien. Pêcher. Alors ça, c'est le genre de truc que moi, j'aime bien faire, généralement. Bon, là, je me suis planté. Bon, allez, c'est bon, on va arrêter le massacre. Bon, en tout cas, ouais, pourquoi pas. Hop, on va descendre. Très bien. On peut, du coup, jouer à ce petit mini-jeu de pêche, ce qui est plutôt cool. En tout cas, nous, ce qu'on va aller faire, hop, c'est qu'on va retourner dans la carte. Et notamment, alors, avant d'aller dans le prochain monde de Origi Désert, eh bien, je vais revenir un petit peu en arrière, voilà, et on va aller faire des petits niveaux de trésors, les routes des trésors, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Hop, alors oui, attendez, d'ailleurs, vous m'avez dit que si j'appuie sur Y, ah, voilà, si j'appuie sur Y, je peux voir les différents mondes, et en fait, je peux m'y téléporter. Alors, par contre, vous m'aviez dit aussi qu'on pouvait voir les routes des trésors, mais je ne vois pas les routes des trésors. Ah, si, là-haut, ok, très bien. Ah, c'est ça. Alors, attends, Estivalia. Voilà, donc là, je les ai tous faits. Par contre, il y en a deux que j'ai pas du tout débloqués. D'accord, intéressant. Et du coup, à Wandaria... Ah, mais je les ai tous finis, en fait, à Wandaria. Ah oui, Wandaria, oui, pardon. Et du coup, voilà, Winterwald, il nous en reste encore pas mal. Et ben écoutez, on va déjà commencer par les deux étoiles. Donc, on est parti pour le trésor Tornade. Hop, et en fait, ça nous TP automatiquement. Donc ça, c'est plutôt cool, au final. J'avais vraiment pas vu cette features de... en gros, ça fait plus ou moins un menu des niveaux. Et du coup, très sympa. Triple strike par-dessus l'eau glacée. Ok, let's go. Tac. Allez, let's go. Hop, vas-y, lâche ça. On y va. Ah ouais, en gros, à chaque fois, il y a 3 trucs. Et... Hop, voilà, parfait. Allez, lâche. Ok, on enchaîne. Bon, je suis pas le plus rapide, mais... Écoutez, on fait ce qu'on peut... Non ! J'en ai loupé un ! Non ! Oh, la loose. Ok, tac. Non ! Oh non ! Mais l'autre, du coup, il s'est relâché. Ah, mais par contre, dès que je tombe dans la glace, c'est mort, là. Ah, celui-là, j'avais bien commencé, mais... Ok. Remonte. Ah, dommage, j'aurais enchaîné celui-là, franchement, on aurait été pas mal, hein. Allez, let's go. Hop, tac. Oh bah celui-là, impec. Voilà, et je peux directement aller ici. Vas-y, tornade. Yes. Bon, j'ai perdu un peu de temps sur le troisième, là. J'avoue que niveau timing, on doit pas être terrible. Ah, je l'ai fait en 45 secondes, faut aller le faire en 30. Hein. En vrai, j'aurais fait du premier coup le troisième niveau. Je pense que ça aurait pu passer. Mais bon, c'est pas grave. Très bien. En tout cas, on a une gemme rare en plus. Ça, c'est parfait. Alors, je vois qu'il y a un niveau juste à côté ici. Ah, ça, c'est un 3 étoiles. Normalement, il me restait des 2 étoiles. Ah, voilà. Trésor explorateur distingué. Très bien. Let's go. On va faire celui-là. Ah oui, magnifique, avec le petit chapeau à plumes. Tir à longue portée de l'explorateur. Ah, tir à longue portée. Hein. Ok. Vas-y, let's go. Je suppose que... Parfait. Ok, je charge. Ah oui, attends, faut que j'enchaîne tout quand ils sont au milieu. Ah oui ! Parfait. Oh, par là-bas. Attends, j'arrive pas à les viser. Ah ! Ok. Oh, c'est passé vite fait. Très vite fait d'ailleurs. C'est passé très vite fait, si bien que j'ai failli me rater. Ok, très bien. Ah bah c'est juste ça ? Ah non, il y a quand même un deuxième niveau. Ok. Et toi. Hop, oh là, il y a lui aussi. Hop, ok. Et toi ? Normalement, eux, ils me regardent... Ils sont pas censés ne pas me regarder. Ah non, c'est eux, voilà, qui sont pas censés me regarder. Voilà, très bien. Ok, eux là. Et eux. Et eux. Ok, bon, je charge pas à fond, mais il n'y a pas spécialement besoin. Ah, si, quand même, il y avait besoin, a priori. Il y avait besoin. Tiens, toi, là. Hop, oust. Voilà, très bien, il en restait un. Ok, et là, hop. Bon, j'ai pas trop traîné. Ah mince, non, j'allais dire c'est fini, mais non, c'est pas fini.
Oh là, attention, attention, attention. Et toi là. Hop. Ah, je me prends aussi la balle. Ah par contre, en fait, ouais, je peux pas bouger quand je suis en train de charger mon truc. Ok. Bon, je l'ai mis dans l'eau. C'est pas ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Ok, oula. Ok, très bien. Attention, 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 attention. Attention, attention, attention. Voilà, attends, ils sont trop attirés là. Ils sont trop attirés. Ok, j'ai eu E. J'ai eu E, j'ai eu E. Attends. Ok, c'est bon. Y a plus les ennemis. Ouf, la vache. La vache, la vache. Ah mais non, mais en fait, je pensais que c'était les explorateurs qui me visaient, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oh non, mais attendez, je prends plein de dégâts là. Ok, toi là, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Ah oui, en fait, j'étais obligé d'esquiver les trucs. Allez, vite, vite, vite. Ok. Bon, j'ai un peu perdu de temps sur celui-là. Je pense qu'on n'a pas un très bon timing. 1.58, fallait le faire en 1.30. Oh, quoique, au final, on s'en est pas si mal sorti, je trouve. Je trouve. Très bien. Ok. Allez, on va s'en refaire. Vite fait un petit troisième, là, si on peut. Où est-ce qu'ils sont? Tiens, lui, par exemple, j'ai pas fait. Ouais, c'est un niveau 2. Aiguille Méli-Mélo. Très bien. Plus j'aime bien l'aiguille. Depuis que l'autre jour je suis tombé contre le boss et que ça fait masse dégâts avec l'aiguille, maintenant j'adore l'aiguille. Ok, roulade et lancée. Très bien. Très bien, très bien. Let's go! C'est parti! Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ok, fallait pas du tout que j'aille par là. Maintenir B puis le relâcher. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ok, 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 et hop! Ah oui, en fait, ils nous apprennent. Ok, ils nous apprennent à relâcher, voilà, à jeter les objets. Ah! Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ok, bah je savais pas en fait. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais très bien, très bien, très bien, très bien. Par contre, ouais, on n'a pas moyen d'accélérer en fait. Donc là, en fait, je vais prendre les ennemis, je vais me mettre là et je vais jeter sur lui. Voilà, parfait. Et toi là, pareil, tu viens là. En fait, j'aurais dû prendre tout le monde. Ok, vous là, hop, je jette sur lui. Et vous, hop, je jette sur lui. Ok, pas mal. Et là, vous, je jette sur lui. Parfait. Vous, je jette sur lui. Eh, je suis bon là. En termes de timing, je suis pas trop mal. Hein. Je suis pas trop mal en termes de timing. J'ai un peu eu du mal à choper la mécanique au début. Mais là, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, on arrive ici. Alors, vous là. Vous. Hop, sur le lapin. Très bien. Ah, toi, malheureusement, je t'ai pas tué. Ok. Vous, hop, sur le lapin. Et... vous là, faut que je vous tue, faut que je vous tue les petits potes. Hop, ah oh, mince. Hop, voilà, très bien. Ok, vous, hop, sur lui, très bien. Et eux, je vais les choper. Je chope eux au passage et je jette tout sur lui. Parfait. Bien joué. Et du coup, ah, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Oui, je suis bête en plus depuis le début, c'est au-dessus. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Ouais, j'ai pas moyen d'accélérer en fait avec ça. Hein. J'ai pas moyen d'accélérer, mais bon, oh, honnêtement, allez, 1.20, on a fait 1.31, on n'était pas si loin que ça, hein. On n'était pas si loin que ça, je me serais un peu mieux coordonné à certains moments, je pense qu'on aurait pu faire les 1.20. Bon, très bien, bah du coup, ça nous en fait 3, donc c'est pas mal du tout. Et puis, bah écoutez, on va maintenant aller reprendre un petit peu notre aventure dans le désert, donc du coup, le prochain, c'est au centre Aviel, par l'entrée du personnel. Très bien. Ah oui, et en plus, on gagne vachement notre temps parce que le temps de retraverser la map et de traverser le pont, ça aurait été vachement long. Mais là, du coup, on est bon. Eh ben, écoutez, on est parti pour ce niveau-là. Il y a 5 Waddle Dee et, du coup, les 3 bonus, évidemment. Allez, on est parti. Donc, du coup, on est de retour dans un centre commercial, là. J'ai l'impression. Ok, ah, il y a un... alors, c'est pas ce que je voulais faire parce que j'aurais voulu l'avaler. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, j'avoue que j'ai pas de pouvoir, donc ça m'embête un petit peu. C'est quoi qu'il y a là? Ah non, okay. Je pensais qu'il y avait un truc. Mais non, il y avait rien du tout. Ok, bon bah du coup j'ai pas de pouvoir, ce qui m'arrange pas tant que ça, mais on va essayer de choper un petit pouvoir. Bah voilà, parfait. Allez, viens là toi. Hop. Voilà, je suis un épéiste maintenant. Est-ce qu'on peut casser les fauteuils? Non. Très bien. Ok, alors attends, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à aller chercher en descendant avant d'aller plus loin? Oh oui, il y a des piécettes. Il y a des piécettes, très bien. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Hop. Non, parce que je me méfie maintenant. Voilà, là, le petit chien, là. Le petit Waffy, c'est un Waffy quoi, lui? C'est un plus gros Waffy, je pense, hein. Ok. Oula. Non! C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, ça m'a permis de le tuer. Au moins, ça m'a permis de le tuer. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et toi, là, réveille-toi. Hop, debout. Debout, debout. Hop. J'aurais peut-être dû l'avaler pour faire une sieste ou je sais pas quoi. Là, je sais qu'il y avait un délire comme ça la dernière fois. Faire une sieste près de la piscine. Hop. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Ah, il y a un truc à faire ici. Oh, le pactole. Le pactole, et en plus ça m'arrange le pactole. Ah, attends, parce que là il y a des marques au sol. Je peux faire un truc là, non, je peux rien faire. Hein. Je ne peux rien faire. Ah, attends, ça fait quoi si je charge? Ah, ben voilà. Ah, par contre, ouais, il est trop long. Il est trop long à charger en fait. Ah, mais eux, ils donnent le truc de pique. Ah, mais stylé ça. Moi ça m'arrange parce que le truc de pique, maintenant que je sais l'utiliser. Hop, ça va limite devenir mon truc préféré, hein, maintenant. Ok, j'ai voulu casser l'ordinateur, mais bon, c'est déjà un vieux ordinateur, à mon avis. On n'a pas besoin de s'en charger plus que ça. Ok, voilà, et hop, tiens, par exemple... Ah, mince, j'aurais voulu essayer de tirer sur lui, mais j'ai pas réussi. Hop, très bien. Voilà, il y a des champignons, trois sortes de crème glacée. Ah ! Oh, mais attendez, j'ai avalé un cône sans faire gaffe. Ok, alors ça, je sais que je peux les casser. Voilà, parfait, très bien. Ah, il y a sûrement un autre endroit. Oh, il y a un truc là. Hop. Ok. Ok, les petits potes. Ok. Oula, attention. Et oh, tu te calmes, toi. Tu te calmes, je te dis. Hop. Je t'écrase. Parfait. Alors, attends. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre dedans? Ah oui. Ah oui. Magnifique. Ah non, du coup, j'ai perdu mon pouvoir. Oh, par contre, on a vu une nouvelle utilisation du pouvoir. On a vu une nouvelle utilisation de ce pouvoir. Hop. Allez, oust. Vous virez, vous, hein. Vous virez, hop, on n'a pas le droit de péter les chaises, là? Wouah, vas-y, l'arnaque. Ok, très bien, j'avance. Ah, pourquoi il a disparu? Hop, allez, oust. Attends, là, il y a moyen de rentrer, pas dedans. Je peux rien faire, là. Mais attends, parce que on a vu avec le truc qu'on pouvait rentrer dans les trous en forme de cône. Donc là, je me dis, si j'ai un pouvoir en forme de rond... Je peux peut-être rentrer dans le rond, là, non? Y a pas un truc... Attends, est-ce que, vite fait, par là, il y aurait un rond? Est-ce qu'il y aurait un rond par ici? Hop. Oh, bah déjà, il y a une capsule. Ah, mais j'ai voulu... En fait, j'ai essayé de lancer le premier mob contre le deuxième, mais ça a pas marché, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai récupéré une petite capsule. Ah, par contre, ce qui m'arrange pas tant que ça, c'est que j'ai pas l'air d'avoir trop de... Ah, bah... Comme quoi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le rond, on va rentrer dedans. Let's go! Bah voilà, oui, il me montre le chemin, évidemment, mais de toute façon, j'avais bien compris que il y avait une nouvelle mécanique. Ah, forcément. Attends! Je cherchais ce qu'il fallait que je fasse, mais en fait, oui, tout bête. Allez, let's go! Et du coup, là, voilà, on peut rentrer et péter le mur. Et Waddle Dee, voilà, j'allais dire. Waddle Dee, ça me semble logique. Alors par contre, bon à savoir, c'est que ça pète l'objet. Donc, si on a des choses à faire avec l'objet, il vaut mieux qu'on les fasse avant. Voilà, c'est à savoir. Mais ok, nouvelle mécanique de jeu avec les transmorphismes, du coup. Intéressant. Ok, pourquoi ils vont mettre des pièces maintenant, je ne sais pas. Mais let's go. Ok, on y va. Ah, il y a un Wafi, noir là. Ok, donc là, pareil, il faut qu'on se mette en carré ici. Alors carré, c'est quoi? C'est les armoires? Peut-être les armoires en vrai. C'est peut-être les armoires. Qui c'est qui m'a pas vu, là? Ouais, c'est eux. Hop. Salut, les potes. Salut. Hop. Ah bah voilà, j'ai réussi à acheter un contre l'autre, là. Très bien. Oh là, attention. Ah, ok. J'ai forcément besoin de l'épéiste. C'est pour ça qu'il respawnait, l'épéiste. Hop, viens là, toi. Hop, parce qu'il faut que je casse le câble ici. Voilà. Parfait. Ok, et j'ai vu qu'il y avait la truc à canette en dessous, donc c'est parfait. Hop, voilà, je casse tout ça. Ah bah oui, du coup, c'est le truc à canette. Alors, attends, voilà, par exemple, là, il faut que je casse les cartons avant de monter, parce que sinon, après, j'aurais pas pu casser plus de cartons, donc très bien. Bon, je pensais que ça allait être un Waddle Dee peut-être caché, mais a priori, non. Ok, et ça, je suppose que ça fait un ascenseur qui monte au-dessus. Oui, parfait. Ah, ok. C'est bon. J'ai eu peur, j'avoue, je m'y attendais pas. Ok, très bien. Et let's go. On rentre dans le trou. Comment je fais? Ah voilà, je saute. Allez, pète-moi le mur. Bim. Parfait, Waddle Dee. Alors, je pense que tous les Waddle Dee de ce niveau, ils vont être cachés un peu comme ça. Bon, l'avantage, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un gros trou dans le mur, donc on se doute qu'il y aura quelque chose à faire. Mais bon à savoir. Hop, voilà. Ok, j'ai un peu la flemme d'attendre les plateformes, surtout voilà, en trois coups de vol, on y est. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, on continue du coup de Waddle Dee.
Déjà deux Waddle Dee. Très bien. Attention les fantômes là. Les fantômes qui sont là. Ok, donc la suite est par là-bas parce que la flèche indique par là-bas. Hop, mais du coup, on va aller chercher le petit popcorn ici. Alors, faut que je mange des glaces aussi. Il m'avait dit manger des glaces. J'ai pas vu d'autres glaces pour l'instant. Ok, très bien. J'allais dire, il y a pas de monstre là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oula. Attention. Est-ce que je peux passer là? Ah oui, je passe. Magnifique. Voilà, attention. Quelque chose me dit que lui... Hop, voilà, parfait. Allez, oust. Très bien, je peux prendre la boisson, là? Ok, très bien. Allez, on rentre ici. Je suppose que c'est pour un Waddle Dee, un niveau bonus. Ah, yes, c'est ça. Vas-y. Pourquoi? Ah, j'allais dire, j'ai pas réussi à faire de dégâts, mais si. Ok, attention. Ok. Vas-y. Yes. Eh, en vrai, je l'ai tué assez vite, hein. Je l'ai tué assez rapidement. Allez, oust. Allez, Savir. Ah, coup de marteau. Ok, très bien. Bon, on va prendre le marteau, alors. Oh, attends, le Waddle Dee. Faut pas que je le loupe. Ok, attends, il y a deux Waddle Dee, là? Parce que j'en ai vu un autre derrière la grille. Ah non, c'est un coffre, pardon. C'est un coffre, et du coup, je suppose que c'est là et là. J'avais vu qu'il y avait deux clous. Très bien. J'allais dire, il y en a peut-être un troisième, mais je l'ai pas vu. Hop, très bien, de la nourriture, et un petit coffre. Oh, une recette! Yes, le marteau! Ah bah oui, en même temps, on vient de récupérer un marteau, donc on peut améliorer le marteau! Très sympa, mais donc on va commencer à avoir des grosses améliorations, parce que là, c'est un niveau 3 le marteau, parce que ça, celui qu'on a, c'est déjà le niveau 2, donc comme vous avez vu, ça va être un niveau 3, hein. Ça va être un petit niveau 3, oula, par contre, là... Attends, il va falloir que je me mette en tornade, ok. Pour essayer d'enlever un peu le sable, là. Hop. À mon avis, on va pouvoir choper une tornade, quelque part. Hop, alors c'est pas toi qui vas me donner la tornade. A priori, je ne pense pas. Ah, alors, attends, il y a plein de chemins, là. Il y a plein de chemins, mais attends, j'ai encore des trucs à faire. Oh. Ok, je pense que la suite, c'est par là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors lui, attention. Oh, la glace! Tiens, il y a une deuxième glace ici. Ok, parfait. Oh, attends, il y a un... Ok, et ça fait quoi? Oh! C'est stylé, ça! C'est stylé. Attends, j'ai juste envie d'abandonner mon pouvoir. Et de prendre lui, là. Déguster 3 sortes de crème glacée. Vas-y. Je peux dormir ou pas? Ah, je dors. Je dors, magnifique. Hop. Mais je crois que ça me régène ma vie. Mais sauf que j'étais déjà full vie en fait. Ok, non, c'est pas grave. Oh, c'est stylé ça. Du coup, on l'avait pas vu venir, le petit anneau. Parce que d'habitude, les anneaux, bon, ils sont assez mis en évidence quand même, on va pas se mentir. Hein. Mais là. Ah, mais du coup, en fait, oui, c'est pas la tornade. C'est grâce à l'anneau qu'on va pouvoir souffler le vent, etc. Là. Enfin, souffler le sable, justement, avec le vent. Très bien, parfait. Hop, donc j'avais la mécanique, mais. Oh, en plus, c'était pour une capsule. Et de l'autre côté, je crois qu'il y avait un coffre aussi. Très bien. Ah bah oui, en fait, j'ai même tout soufflé d'un coup. Oh, c'est un Waddle Dee dans le coffre. Oh non, mais alors là, c'est Gucci, là. Là, c'est Gucci. Je ne peux pas rien demander de plus. Attendez, incroyable. Je n'attendais pas à avoir un... Oh, par contre, vous, je vous ai vu arriver, là. Les potes, désolé. Hop, parfait. Et en plus, de toute façon, j'avais certainement besoin de l'anneau, ici. Donc ça veut dire que là, les anneaux, je peux les mettre en... Ok. Je peux les mettre en horizontal comme ça? Non, on n'est pas avec le bon truc là. Non, l'anneau c'est pour derrière le hérisson, je sens. Déjà, je vais souffler le hérisson. Oh, ça aurait été vachement beau, c'est que le hérisson il aille dans le truc. Et donc là, je peux sauter ou pas? A priori, je ne peux pas sauter. Ah oui, j'allais dire, il peut sauter ce truc là, il me semblait bien. Comment je fais? Non. Ah, mais non, mais je suis bête. Je me disais, mais comment j'y vais à cet endroit? Voilà, comment j'y vais? Hop, par contre, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait que je vérifie si j'avais pas d'autres trucs à faire avant. Ah, ok, donc c'est ça. C'est ça, on va se remplir d'eau, et à mon avis, c'est avec l'eau qu'on va pouvoir aller mettre, du coup, là-bas, c'est ça. Mais il faut d'abord que... Oh non! Attends, faut que je tue tous les mobs avant, parce qu'ils vont m'embêter, sinon... Attends, vas-y, je vais baisser la tête. Et je vous regarde pas, là, hein. Je vous regarde pas, hein. Ah, mais je suis trop loin, en fait. Ok. Bon, limite, je vais rester comme ça. C'est pas mal. Hop. Voilà, comme ça, je tue tout le monde.
Très bien. Et donc là, est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Parfait. Parfait, parfait. Ah, le dernier Waddle Dee! Yes! Et on est arrivé dans une salle de café, là. Incroyable. Incroyable. Et là, il y a une glace, là. Il y a pas de glace, là, dans le coin. Ah, mais attends, il y a un monstre, je l'avais même pas vu. J'avais même pas vu le monstre. Il était tranquillou en train de prendre son petit cake ou sa petite glace, là, je sais pas trop. Hop. Est-ce que je peux arriver à sauter sur la table, là, puis prendre mon flanc? Hop. Salut! Je t'ai pris ton truc. Je t'ai pris ton truc, mon petit pote. Ok. Ah, il me manque toujours la dernière glace, hein, pour le coup. Je pense que je l'ai certainement loupé, la glace. Ah, mais non, attendez, il y en a une autre, là-bas. Il y en a une à la toute fin du stage. Très bien. Oui, en fait, j'aurais pu essayer d'avancer un petit peu. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je prends la capsule. Très bien. Ok. Et... Hop. Ah, non. Ok, j'ai récupéré mon marteau. Voilà, tu t'en vas. Se transmorfer. Ah mais je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à prendre Ok, 300 de glace. Ah bah si, du coup j'ai chopé la glace. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire en cône? Ah bah oui, là-bas, il y a une forme de cône, j'avais pas vu. Ok, j'allais dire, est-ce que avec les pics ça passe quand même? Mais oui, c'est passé. Ah bah alors là, on a utilisé plein de transmorphismes en vrai, hein. On a utilisé vraiment plein de transmorphismes. Et ça c'est cool. Voilà, et la fin du niveau, rentrer dans tous les trous grâce au transmorphisme. Oh, et en plus, on a un objectif bonus à la fin. Donc là, il me manque un seul objectif, je pense. Parce que j'ai eu toutes les glaces et j'ai eu ça. Ah oui, il me manque un objectif. Bon, c'est pas grave. Vaincre Bunker Sauvage avec le pouvoir Trancheur. Ah, ok. Je pense que c'est l'espèce de boss, là. Ah bah ouais, j'avais pas le pouvoir Trancheur, effectivement. Effectivement. Alors, interrupteur cible, très bien. Ok, oh, Kirby en flamme volcanique, là, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, volcanique. Brum, le volcan explose, faites appel à l'énergie géothermique pour déverser de la lave devant vous, brûlez vos ennemis et laissez un océan de flammes derrière vous. J'avoue que ce pouvoir-là est très intéressant parce qu'il brûle les ennemis et du coup, il continue à prendre des petits dégâts. Et ça, c'était plutôt sympa, honnêtement. Ok, le bloc bombe, classique. Oh, et lui, comment il s'appelle, du coup? Le gros riz. Ok, très bien. Quel joyeux primate, il danse et envoie son petit maillet dans les airs en montrant toutes ses dents. Regardez son sourire, il a l'air si content de vous voir. Comment, ce n'est pas un sourire? Il essaie de vous faire peur. Oh, eh bien, c'est réussi. Très bien, et eh bien en tout cas, une victoire de plus pour Kirby. Très bien. Yes. Ah, et du coup, le prochain niveau, ce sera le canyon au clair de lune. Très bien, donc là, j'en ai eu 10 sur 11. On est pas mal du tout. Voilà, la petite étoile. Et du coup, deux petits niveaux bonus, je suppose, qui se débloquent. Parfait! Très bien! Eh bien, écoutez, on va pouvoir retourner au niveau du village Waddle Dee. Hop, je sais qu'on avait un bâtiment où j'étais presque... Je l'avais presque débloqué, il me semble qu'il fallait 155, un truc comme ça. Ou quelque chose dans le genre. Ah oui, du coup j'ai une nouvelle recette, ça c'est cool. Le marteau, du coup, qu'on a débloqué en battant, je sais plus comment il s'appelle là. Alors lui, lui c'était 155, et au-dessus c'était... Ah je crois que c'est 180, et je dois pas en avoir assez à mon avis. Hop, ah c'est ça, ah oui, lui c'était 145, en bas c'était 155, et lui c'est 180, oh non, j'en ai 179. Bon bah écoutez, en tout cas, la prochaine fois, si je libère au moins un Waddle Dee, ça veut dire si je termine au moins un niveau, ce sera bon, et ben on verra ça la prochaine fois. Écoutez, c'est plutôt sympa, et puis bah ce petit lac de pêche là... Plutôt sympa, moi j'aime bien, ça décore plutôt bien. Et d'ailleurs, je voulais vous parler, il y en a qui m'ont proposé de faire des live Kirby, notamment pour si on veut terminer les mondes à 100% et peut-être battre les records au niveau des routes, des trésors. Et pourquoi pas faire un petit peu de pêche aussi, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, les petits lives sur Kirby, en sachant que je pense que... On attendra peut-être que le Let's Play soit fini, ou je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'il y aura des lives sur Kirby, alors évidemment ça se passera sur Twitch, vous avez le lien dans la description sur toutes les vidéos, et on fera certainement des petits trucs secondaires, terminer à 100% les niveaux, en tout cas au moins la récupération de tous les Waddle Dee, ça pourrait être plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et puis bah écoutez, sur ce...
On se laisse ici pour cet épisode qui était plutôt sympathique. Écoutez, on a découvert une nouvelle fonctionnalité des transmorphismes et ça, c'était plutôt original. Et donc, on se retrouvera la prochaine fois pour le Canyon. Et sur ce, eh bien, bye tout le monde!